Voici 5 choses à savoir sur TikTok. Pourquoi TikTok s'appelle TikTok? Eh bien, pour ça, il faut tout simplement s'intéresser à la phrase préférée de TikTok, « Every second counts ». Chaque seconde compte, pour ceux qui regardent des séries en VO mais qui lisent des sous-titres. En effet, TikTok fait référence au tic-tac, TikTok en anglais, de l'horloge. Parce qu'il faut dire qu'à la base, TikTok, c'était des vidéos de 15 secondes seulement et il fallait rentabiliser, quoi. À la base, TikTok, c'était une application de karaoké. Alors, les mauvaises langues diront que ça n'a pas changé, mais TikTok, à la base, c'est une application qui s'appelle Musical.ly. En gros, on lip-sync sur des sons. Et tout ça, on est en 2014. Puis, en Chine, on lance l'application Douyin, l'actuel TikTok. L'application Douyin de la société ByteDance décide de racheter Musical.ly en novembre 2017, puis fusion, et voilà comment est né TikTok. La suite, vous la connaissez. Les Français passent en moyenne 17 heures sur TikTok par mois. Ça fait quand même 42 minutes par jour. Tu trouves que ça fait pas beaucoup? C'est quand même deux fois plus que Insta ou Snap, par exemple. Et en moyenne, on ouvre l'application 9 fois par jour. Et toi, t'es à combien? TikTok est l'application la plus téléchargée au monde. En 2020, TikTok a été téléchargé 850 millions de fois. L'application est bien devant WhatsApp, Facebook, Instagram et Zoom. TikTok a allongé ses vidéos. Oui, encore, parce qu'à la base, c'était 15 secondes, puis 30, puis 1. Et maintenant, les vidéos font 3 minutes. Nous sommes impatients de voir comment les utilisateurs vont continuer à créer, divertir, inspirer avec quelques secondes de plus. Maintenant, ça vous joue. C'était un podcast Genside.